7 mois à peine après la sortie de Sudden Strike, voici qu'arrive enfin son add-on, Sudden Strike Forever, qui corrige une bonne partie des erreurs de son grand frère. Un second souffle au jeu. Rappelons tout de même que Sudden Strike Forever est un add-on, ce qui veut dire qu'il est impossible d'y jouer si vous ne possédez pas le jeu original. L'histoire se déroule toujours durant la Seconde Guerre mondiale et vous permet de jouer avec l'un des 5 belligérants, Russie, Allemagne, France, USA et pour finir l'Angleterre. C'est un jeu de stratégie en temps réel, sans construction de bâtiments, avec un petit côté simulation de bataille, où vos compétences de commandement, votre intelligence et votre tactique vont être mises à rude épreuve. Forever s'adresse surtout aux fans de ce style de jeu car il demande une bonne maîtrise des stratégies militaires. Sudden Strike Forever vous propose de jouer 4 nouvelles campagnes ainsi que 7 scénarios inédits. Vous allez pouvoir commander la 8e armée en Afrique du Nord, attaquer les dernières défenses de l'Allemagne avec les troupes américaines, éviter le piège de l'hiver russe aux soldats allemands ou encore repousser le plus loin possible les hommes de la Wehrmacht avec l'armée rouge. Il est désormais possible de choisir la difficulté du jeu, facile pour les newbies, moyen si vous avez déjà joué à Sudden Strike et pour finir difficile pour les experts. Le rôle de l'officier a pris de l'ampleur, s'il est placé à côté d'une unité de combat, il en augmente l'efficacité. De plus, grâce à ses jumelles, votre champ de vision est grandement accru. Il est aussi plus facile de ravitailler vos unités grâce aux camions et aux caisses de munitions. Les combats sont toujours aussi réalistes et vous allez pouvoir aligner jusqu'à 1000 unités se déplaçant en temps réel sur la même carte. L'arsenal complet de l'époque est présent et les blindés, avions, bombardiers, soldats sont d'une grande exactitude historique. 30 nouvelles unités font leur apparition et leur nombre passe donc de 130 à 160, répartis dans 18 catégories différentes. Côté intelligence artificielle, le moteur de gestion du jeu est l'un des meilleurs que nous avons connus. L'interface, quant à elle, a subi une petite cure de jouvence et de nombreuses fonctions ont été simplifiées. Le seul petit hic vient de la difficulté du jeu. Les missions de la campagne sont assez dures et vont vous donner beaucoup de fil à retordre. Côté graphisme, très peu de changements puisque le moteur du jeu est le même. Les soldats et les différents véhicules sont toujours aussi bien modélisés avec des explosions de toute beauté. Le jeu possède maintenant un éditeur de cartes et de missions qui va vous permettre de créer vos propres parties. Son utilisation est facile et assez intuitive et surtout ne demande pas que vous soyez programmeur pour y arriver. Bref, la durée de vie est maintenant quasi illimitée, de quoi réjouir tous les fans. Le mode multijoueur propose toujours à 12 personnes de s'affronter seules ou par équipe en réseau ou sur l'internet à coups de grenades ou de tirs de blindés. La nouveauté vient des modes de jeu puisqu'il passe à 3. Cela va du classique Deathmatch en passant par le King of the Hill. Allez, si vous avez passé des journées entières à jouer à Sudden Strike ou si vous cherchez un jeu de stratégie en temps réel de guerre sur la période 39-45, vous ne pourrez pas résister à Sudden Strike Forever. Sa jouabilité, ses graphismes, son nombre d'unités, ses combats réalistes en font la référence des jeux de Seconde Guerre mondiale. Bref, mon seul petit conseil, si vous avez déjà le jeu de base, courez vous procurer son add-on. Pour les autres, cassez votre tirelire et achetez les deux, vous ne serez pas déçus.